discuter avec le western parce que je trouve que ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu vraiment. Je voudrais faire un festival de western à Paris parce que moi j'ai été marquée par les westerns, et Rio Bravo et Alamo et les Sept Mercenaires et tout ça. Et donc je trouve que c'est très saillant pour les garçons et que ça change un peu de ces grands looks paumés là. Je trouve que les silhouettes sont belles avec eux et ça les amusait beaucoup d'ailleurs les mannequins. En fait, vous avez le même génie que Tarantino, parce que ça colle au bon moment. Oui, mais Tarantino, on a une vieille histoire ensemble. Vous savez, j'avais fait des costumes pour Pulp Fiction qu'il avait, et Reservoir Dogs aussi. Et là, il sort un western au moment où moi, j'avais envie de faire un festival de western. Je me suis dit, bon, c'est le moment, puis de montrer des cowboys sans guns, c'est le moment aussi. Honneur à Agnès de défiler pour elle parce qu'elle fait beaucoup de vêtements pour moi et c'est à moi de choses de ramasser quelqu'un pour tout ce qu'elle fait pour moi, donc ça m'a fait plaisir et puis c'était une première pour moi, j'ai pris énormément de plaisir à voir l'agitation qui est autour d'un défilé. C'est notre pression les défilés sur les podiums. Ouais, c'est notre pression parce que moi j'ai vu beaucoup de bêtises sur les défilés, tomber, rater une marche, se prendre les pieds. Donc moi, pour l'instant, voilà, ça a bien fait, ça a bien tenu, je suis très content et puis c'est des choses à faire au moins une fois dans sa vie. Pépé qui jouait dans West Side Story, je lui ai dit mais danse à la fin, c'est super. Et Polo Good, c'est le fils de Grace Jones et de Jean-Paul Good. Il adora, puis j'aime beaucoup cette musique et voilà, je trouve ça super.